Voici le tangramme œuf. Donc nous avons 9 pièces qui constituent un œuf. Et avec ces pièces-là, nous avons 26 objectifs, à savoir réaliser des silhouettes d'oiseaux. Voilà, en sachant que les tangrammes sont des jeux ouverts, on peut respecter les silhouettes et appliquer et travailler uniquement sur ces 26 silhouettes, mais aussi on peut faire un dragon ou un oiseau qui n'est pas défini dans le recto du jeu. Donc c'est accessible à tout âge et c'est riche en imaginaire. Je suis parti sur quoi? Peut-être une tortue? Pas du tout.